Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 prénoms africains pour garçons que je trouve très beaux et qui sont surtout très rares. Donc si vous aussi, vous recherchez un charmant prénom africain pour votre futur garçon, alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Le dernier prénom est un prénom avec une particularité intéressante. Vous verrez. Ego, mon nom est Siré et bienvenue sur la chaîne Ladjili 2.0 qui a pour objectif de valoriser, préserver, transmettre et enrichir l'héritage africain dans un contexte international au travers de nombreux aspects tels que l'identité, la culture ou encore l'immigration qui pourront vous servir au quotidien. Pour ne rien manquer, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui s'affiche juste ici. Avant de vous révéler le premier prénom africain pour garçon, je voudrais vous indiquer que derrière certains prénoms africains pouvait se cacher une histoire faisant référence à la conception de l'enfant. D'ailleurs, nous en verrons un dans cette liste. Sans plus tarder, voyons ensemble le prénom numéro 1, Elika. Un prénom mixte qui nous vient tout droit de la RDC qui signifie espoir en Kikongo. Le Kikongo est la langue parlée par les Bakongo dont le singulier est Mukongo. Elika est un joli prénom qui vous permettra de rappeler à votre petit garçon de toujours garder espoir quelle que soit la situation. Prénom numéro 2, Filani. Je trouve que c'est un beau prénom Zougou qui est notamment porté par l'entrepreneur Filani Mavoudra qui a participé à la construction de ce parc aquatique grandiose du nom de Ushaka Marine World à Durban, en Afrique du Sud. Prénom numéro 3, Emeka. Il s'agit d'un prénom Igbo très populaire qui est le diminutif du prénom Chukwemeka qui veut dire Dieu a tant fait ou encore cadeau de Dieu. Je trouve que c'est un prénom avec une belle consonance. À titre d'exemple, Emeka Ugaka, un jeune architecte d'origine nigériane au parcours académique impressionnant, s'appelle ainsi. Prénom numéro 4, Leite. Il s'agit d'un prénom à l'origine Halpular que je donnerai probablement à l'un de mes futurs fils. Et Halpular, aussi appelé Toukouleur, sont l'un des peuples vivant au Sénégal. Prénom numéro 5, Djebag. Ce prénom Swahili signifie fort comme un roc. Pour ceux qui recherchent un prénom avec une signification associée à un trait de caractère, ce charmant prénom est une bonne option. Prénom numéro 6, Chomari, un autre prénom Swahili faisant référence à un trait de personnalité que je trouve très joli. Chomari veut dire fort. À titre d'exemple, le journaliste de chaîne d'information américaine Chomari Stone porte ce beau prénom. Prénom numéro 7, Kamini. Oui, je sais, j'ai un petit faible pour les prénoms Swahili. Ce beau prénom signifie parfait en langue Swahili. Ce serait un bon prénom pour insuffler une bonne dose d'estime de soi et de confiance en soi à son futur petit garçon. Attention toutefois à ne pas en faire un petit garçon vaniteux. Prénom numéro 8, Eyogi. Il s'agit d'un prénom Baoué qui veut dire on l'a fait. Je trouve ce prénom magnifique et assez unique. Il est généralement attribué aux enfants dont les parents ont eu du mal à les concevoir. Prénom numéro 9, Iyasu, qui est un prénom principalement porté par les Éthiopiens. Par exemple, l'un des chanteurs Trigrinya, les plus populaires et influents du XXe siècle, se prénommait Iyasu Ber. Je trouve ce prénom hors du commun. Et pour finir, prénom numéro 10, Meissa. Il s'agit d'un prénom sénégalais uniquement porté par les hommes au Sénégal. Or, chez les Arabes, ce prénom est un prénom uniquement porté par les femmes et a une signification associée à la grâce. Je trouve ce prénom très original. Dans cette vidéo, nous avons découvert 10 prénoms africains pour garçons que je trouve très beaux et qui sont assez rares, à savoir Elika, Filani, Emeka, Leiti, Djabali, Chomari, Kamili, Eyogi, Eyasu et Meissa. Vous avez à présent une liste de prénoms pour vous aider à choisir un prénom africain à votre futur fils. Pour rester dans cette même idée autour de l'héritage africain, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. J'ai développé pour vous la liste des questions ADA que vous pouvez télécharger gratuitement. Il s'agit des top 10 questions à poser en 5 minutes chrono à vos parents pour partir à la découverte de votre propre histoire au travers de leurs yeux. Le lien se trouve en description. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez en découvrir d'autres, donnez-moi de la force, pensez à liker en cliquant sur le pouce bleu, à vous abonner en cliquant sur le bouton abonné, à partager si vous pensez que ça pourrait être utile à quelqu'un et surtout à me dire en commentaire quel est votre prénom africain pour garçon favori. C'était Siré, Ladjili 2.0 et je vous dis à très vite, un beau tout.